بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم في قناة ماطان تيخ. دونك في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نحاول أن نشرح مبرهنة فيثاغورس لو تيغريم دو بيثاغور. هذا الدرس بالخصوص موجه للتلاميذ ديال الثانية إعدادي. دونك غادي نحاول أن نشرح باللغة العربية واللغة الفرنسية باش نستهدفوا التلاميذ ديال المستوى الثانية إعدادي اللي كيقراو التعليم عام كيقراو باللغة العربية والتلاميذ ديال الثانية دولي باركور انترناسيونال بطبيعة الحال اللي كيقراو باللغة الفرنسية. Donc le théorème de Pythagore, c'est un théorème bien sûr, c'est une propriété qu'on va utiliser souvent dans les triangles rectangles. Donc la première chose à faire, c'est on va faire des rappels sur le triangle rectangle. Donc qu'est-ce que nous avons vu dans le triangle rectangle? Donc supposons par exemple ici qu'on a le triangle ABC. Supposons par exemple que ce triangle est rectangle en A. Donc ici on a un angle droit. Donc on dit que le triangle est le rectangle en A lorsque un angle est de mesure 90 degrés, par exemple ici A, sa mesure est égale à 90 degrés, ou bien lorsqu'on a deux angles complémentaires, ça veut dire B plus C est égal à 90 degrés, ou bien lorsque la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc ici on a trois possibilités. On dit que le triangle ABC est rectangle lorsque un de ses angles est égal à 90 degrés, ou bien la somme de deux de ses angles vaut 90 degrés, ou bien lorsque deux côtés sont perpendiculaires. Donc ici, on a trois alternatives. Donc on a aussi quelques vocabulaires, bien sûr, liés au triangle rectangle. Donc le côté BC, donc c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc le côté qui vient en face de l'angle droit. Donc dès l'angle qui est en face, les zawiya al-qa'ima, li hiya A. Donc عنده واحد الاسم اللي كيتسمى بالعربية الضلع الوتر. بالفرنسية on dit l'hypoténuse. Hypoténuse. T ici. Hypoténuse. On a aussi les angles ou bien les côtés qui sont liés à l'angle droit. Donc on a ici deux côtés, le côté AB et le côté AC. Donc bien sûr, ils ont aussi un nom. Donc le côté AC et le côté AB. L'arabie qui s'appelle Dial Muhaviyan. Yani jayin hda, hda zawiya al-qa'ima. Muhaviyani. Le français qui s'appelle adjacent. Voilà. Donc je répète. Mais quand on a une zawiya ABC, une zawiya مثلا في A, هذا كيعني ان الزاويه A قياسها 90 درجه او لا ان الزاويه B والزاويه C مجموعهما يساوي 90 درجه وكيتسموا زاويتان متتامتان بالعربيه والفرنسيه كنقولوا deux angles complémentaires. Ou bien troisième cas, on peut dire que le côté AB et le côté AC sont perpendiculaires. Le côté opposé, الضلع المقابل للزاويه القائمه عنده اسم كيتسمى الضلع الوتر باللغه العربيه والفرنسيه كيتسمى ليبوتينوز. الضلعان اللي جايين حدا الزاويه القائمه كيتسموا الضلعان المحاذيان لها او لا كيتسموا بالفرنسيه لي كوتي ادجاسون. دونك لو تيغوم دو بيتاغور شنو كيقول؟ ماذا تقول مبرهنه فيثاغورس؟ كتقولنا بلي مربع الوتر. دونك غادي نكتبو مربع الوتر. دونك قلنا ليبوتينيز جو ريبيت هنا غادي نرسم واحد اون اوتر فيغور سور لاكيل اون فوا ترافايي. دونك ايسي اون ا ديجا ا ايسي بي ايسي سي. دونك بيتاغور شنو كيقولنا؟ كيقولنا بلي الضلع اللي اون فاس للزاويه القائمه اللي هو الوتر دونك بي سي اكسبوزون 2 ايغال ا بي اكسبوزون 2 بلس ا سي اكسبوزون 2. دونك بالعربيه ماذا نقول؟ نقول ان مربع الوتر هذه كتقرا مربع الوتر هذا هو الوتر بي سي واسيتنا كتقرا مربع. مربع الوتر يساوي مجموع مربعي هذا مربع وهذا مربع مجموع مربعي الضلعين المحاذيين للزاويه القائمه. وعيد مربع الوتر يعني بي سي اس اثنان يساوي الضلع ا بي اس اثنان زائد الضلع ا سي اس اثنان. هذه نقراوها باللغه العربيه. مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين المحاذيين للزاويه القائمه. En français, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le carré de l'hypoténuse
le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des angles adjacents à l'angle droit. Je répète, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit. Ça veut dire le côté AB exposant 2 plus le côté AC exposant 2. On va faire une application. Donc, supposons par exemple, donc j'efface, je trace un triangle, par exemple ici rectangle toujours en A. Supposons par exemple qu'on a la longueur du côté AB, par exemple ici 4 cm bien sûr. Le côté AC est égal à 3. Donc, il nous demande de calculer le côté BC. Quelle est la longueur du côté BC? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque le triangle ABC est rectangle en A, alors, grâce au théorème de Pythagore, ou bien, le théorème de Pythagore nous permet d'écrire BC exposant 2 égale AB exposant 2 plus AC exposant 2. Application numérique, ça nous donne AB exposant 2, ça veut dire 4 exposant 2, plus AC exposant 2, ça veut dire 3 exposant 2. Bien sûr, lorsqu'on calcule 4 exposant 2, ça fait 4 fois 4, c'est 16. 3 exposant 2, c'est 3 fois 3, c'est 9. 16 plus 9, ça donne bien sûr 25. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que BC exposant 2 égale 25. Donc, maintenant, on cherche la valeur de BC. BC est égal à quoi? Donc, quels sont les nombres dont leur carré égale à 25? Donc, bien sûr, ici, on a deux valeurs, 2, donc BC, avec une autre couleur. Donc, BC peut être égal à plus 5, ça veut dire 5, ou bien moins 5. Pourquoi? Parce que on a moins 5 exposant 2, c'est moins 5, fois moins 5, ça fait 25. Donc BC peut être égal à moins 5. Et on a aussi 5 exposant 2, c'est 5 fois 5, c'est aussi 25. Donc BC peut aussi égal à 5. Donc on a ici deux valeurs, je viens d'écrire ici. On a deux valeurs, soit BC est égal à 5, ça veut dire plus 5, ou bien est égal à moins 5. Mais, dans le triangle ABC, ça veut dire ici, on a une longueur, BC c'est une distance, ça veut dire la distance est toujours positive. Alors, on va éliminer le deuxième cas. Donc, BC ne peut pas être égal à moins 5. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, celle-ci, même si elle est vraie, donc moins 5 exposant 2 est égal à aussi 25, mais puisque la distance BC est toujours positive, alors quel est le résultat de la longueur BC? La longueur BC est égale à 5, c'est-à-dire BC égale 5. Donc, on peut mettre ici la valeur 5. On va faire un autre exemple. Clear all. Donc, je construis un triangle ABC rectangle en A. Supposons par exemple qu'ici on a 10, ici on a 8 et on cherche AC. Donc on va appliquer bien sûr toujours le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que le triangle et le rectangle en A. Donc le théorème de Pythagore nous permet d'écrire toujours l'hypoténuse exposant 2, ça veut dire BC exposant 2, égale AB exposant 2 plus AC exposant 2. يعني أن مربع الوتر مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الموحدين للزاوية القائمة. Application numérique. Donc ici BC on le connaît, c'est 10 exposant 2. On va le remplacer. AB aussi on le connaît, c'est 8. Donc c'est 8 exposant 2. Mais AC on ne le connaît pas. Donc c'est AC exposant. Donc 8 exposant 2 ça fait 100.
égale 8 10 exposant 2 ça fait 100, 8 exposant 2 ça fait 64, plus AC exposant 2. Donc on peut continuer ici. Donc lorsqu'on a 100 égale 4, 64, 100 égale 64 plus AC exposant 2, ça veut dire que AC exposant 2, AC exposant 2 égale à combien? À 100 moins 64, ça fait 36. Donc, quel est le nombre positif? Non, 36. Quel est le nombre positif? Donc, AC, c'est une distance, ça veut dire que c'est un nombre positif. Donc, quel est le nombre positif dont le carré est égal à 36? Le nombre positif dont le carré est égal à 36, c'est 6. Donc, AC égale à la valeur 6. Donc, on peut mettre ici la valeur 6. Maintenant, on revient au début. On va démontrer pourquoi ce théorème est vrai. On va démontrer la propriété, théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme vous le constatez ici, donc je vais construire un triangle ABC, le voilà, et les rectangles en A. On va recopier le triangle ABC, on va le mettre dans cette place. Ici, ça veut dire, j'explique, le triangle ABC et le triangle BDE, ce sont deux triangles isométriques, ça veut dire, sont superposables. يعني لو دعنا قابلا التطابق يعني لو دعنا المثلث ABC فوق المثلث BDE غادي نحصلوا على مثلثان متطابقان. دونك هذا يعني ان الزاويه D اللي كتلاحظوا هنا باللون الاخضر والزاويه A اللي هما في القياس, هذه الزاويه E اللي كاينه هنا غادي تنطابق مع هذه الزاويه B هذه, وهذه الزاويه DBE لونغل DBE غادي تنطابق مع الزاويه ACB. اعيد. Donc le triangle ABC et le triangle BDE sont deux triangles isométriques, ça veut dire superposables. Voilà. Sur laquelle on va travailler. Donc la première chose à faire, qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que ici, on a un angle droit. Ça veut dire aussi le triangle CBE, c'est aussi un triangle rectangle en B. Donc ici, on a trois triangles rectangles. Le triangle ABC, le rectangle en A. Le triangle BDE, qui est isométrique au triangle ABC et les rectangles en D. Mais on va justifier, on va démontrer, BCE, c'est un triangle rectangle en B. On va le faire. Donc ici, je vais numéroter les angles. Donc je vais choisir une autre couleur. Couleur blanche, oui. Donc cet angle, je vais l'appeler l'angle 1. Celui-là, je vais l'appeler l'angle numéro 2. Donc ici, on a l'angle numéro 1 coïncide avec cet angle. Donc ici, c'est aussi l'angle numéro 1. Pourquoi? Parce que ici, la mesure de cet angle, c'est la même que celui-là. Parce que le triangle ABC et le triangle BDE sont superposables. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'angle 2. Donc, l'angle 2 dans le triangle BED coïncide avec l'angle 2 dans le triangle ACB. L'angle 1, ici, marqué 1, coïncide avec celui-là. Je continue. Je vais choisir une autre couleur, donc par exemple le bleu. Donc cet angle, ici, je vais l'appeler l'angle 3. Donc qu'est-ce qu'on sait? On a bien sûr le point A, le point B et le point D sont alignés. Ça veut dire ici, on a un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. Donc cet angle, l'angle tout entier, vaut 180 degrés. Donc je vais écrire l'angle 1 plus l'angle 2 plus l'angle 3. Donc celui-là, c'est l'angle 1 plus l'angle 2 plus l'angle 3 nous donne comme résultat 180 degrés parce que c'est un angle plat. 180 degrés.
Or, puisque le triangle ABC est rectangle en A, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'angle 1 et l'angle 2? On peut dire que l'angle 1 et 2 sont complémentaires, donc l'angle 1 plus l'angle 2, ça veut dire leur somme est égale à 90 degrés. Donc ici, les deux angles donnent 90 degrés, plus l'angle 3 est égal à 180. Ça veut dire que l'angle 3, la mesure de l'angle 3, est égale aussi à 90 degrés. Donc voilà, nous avons démontré maintenant que le triangle CBE est un triangle rectangle en B, ici. On passe maintenant à calculer les surfaces des trois triangles. Donc on sait, je vais faire un rappel qui concerne les surfaces. Donc lorsqu'on a un triangle quelconque, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la surface, je dois construire la hauteur. Par exemple, ici, le triangle ABC. Ici, on a le point, par exemple, H. Donc, quelle est la surface ou bien l'aire du triangle ABC? C'est le produit de la hauteur AH par la base BC divisé par 2. Donc, voilà comment calculer la surface d'un triangle quelconque. C'est le produit de la hauteur AH multiplié par la base BC. On divise le résultat par 2. Donc ici, on a un triangle quelconque. Mais lorsqu'on a un triangle rectangle, on obtient un cas particulier, bien sûr. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle, par exemple, ABC, donc comment calculer la surface S de ce triangle? Toujours grâce à la même propriété, ou bien la même règle qu'on va utiliser, on va multiplier la hauteur. Dans ce cas, CA, c'est une hauteur, par exemple, et AB, c'est une base. Donc, la hauteur et la base sont toujours perpendiculaires. Donc, il suffit de multiplier ici AC par AB, et on divise le résultat par 2. Donc, cette propriété, on va l'utiliser 3 fois. Donc, pourquoi 3 fois? Tout simplement parce que on a 3 triangles rectangles. Donc, j'ai tout effacé pour que je puisse... Donc, je puisse calculer les surfaces. Donc, je vais expliquer ici qu'est-ce qu'on va faire. On commence par la surface jaune. Donc, ici, la surface du triangle BEC est égale à C exposant 2 sur 2. Pourquoi C exposant 2 sur 2? Donc, tout simplement parce que ici, le côté BE joue le rôle de la base. Et le côté BC joue le rôle de la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait grâce à la propriété que je viens de rappeler? On va multiplier la hauteur par la base. La hauteur par la base, ça veut dire C fois C, c'est-à-dire C exposant 2, et on divise le résultat par 2. On va faire la même chose avec le triangle ABC. Donc, on va multiplier la base, ici, on l'a appelé petit b, par la hauteur qu'on a appelé petit a. Donc, c'est A fois B divisé par 2. La voilà. La surface du triangle ABC est égale à AB sur 2, ça veut dire A fois B sur 2. La même chose pour le triangle BDE. Donc on a dit BDE ou ABC sont superposables, ça veut dire à des coins de la même surface. Donc c'est AB sur 2. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de calculer la surface du triangle bien du trapèze ADEC. Donc ici on a 2 méthodes. Soit on la calcule de façon directe, donc on sait que la surface du trapèze c'est le produit de la somme de la petite base et de la grande base par la hauteur divisée par 2. Donc vous voyez. Donc كيفاش كنديروا نحسبوا المساحه ديال شي منحرف كنجمعوا القاعده الصغرى مع القاعده الكبرى وكنضربوهم في الارتفاع وكنقسموا النتيجه على 2. Donc هنا عندنا القاعده الصغرى هي petit b. Pour le cas de la cobra, il y a petit a. Ça veut dire la somme d'Yalhom. Donc, on dit qu'on a A plus B. On va la multiplier. Donc, on dit c'est S d'Yalhom, d'Yalhom, le trapèze A, D, E, C. Donc, qu'est-ce qu'on a? La surface, je viens de dire. On va multiplier la somme de la petite base, le cas de la cobra, et la grande base, le cas de la cobra, par la hauteur. La hauteur ici, c'est AD.
Donc AD la sahtu katkoun petit b petit a, ça veut dire a plus b, donc fois a plus b. Bien sûr, on divise le résultat par 2. Donc il y a des lignes là, la surface de le trapèze là, c'est a plus b exposant 2, le tout sur 2. Donc là, a plus b fois a plus b, ça veut dire c'est a plus b le tout exposant 2. Donc c'est la première façon. La deuxième façon, c'est on va additionner les trois surfaces. On va la surface du triangle ABC, la surface du triangle BEC, puis la surface du triangle BPET. Donc là, je mets un peu de temps, on va le résumer. On va le A plus B exposant 2 sur 2, c'est la surface totale est égale à la somme des surfaces partielles, la surface ZID. Donc c'est-à-dire, donc c'est AB sur 2, AB sur 2, ça veut dire qu'on a 2 fois AB sur 2. On a de la surface jaune, les 4 séries c'est sur 2. Donc là je vais expliquer comment on a obtenu cette relation. Cette relation, C exposant 2 est égal à exposant 2 plus B exposant 2. Voilà. Donc je vais développer cette identité remarquable. Donc A plus B exposant 2, A plus B exposant 2 sur 2. Donc A plus B exposant 2, c'est A exposant 2, plus 2 fois A fois B plus B exposant 2 sur 2, égale. Donc ici, 2 fois AB sur 2, on va simplifier par 2, ou bien je peux la garder maintenant pour le moment. Donc c'est 2AB plus C exposant 2, le tout sur 2. Donc on va multiplier à gauche et à droite par 2, on va faire 9 juges, on va faire 9 juges. 9 fois 2, 9 fois 2. On va simplifier. Donc le 2 s'en va avec 2. La même chose à droite. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2. Après simplification, on peut écrire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Il nous reste A exposant 2. A exposant 2. Plus 2 fois A fois B plus B exposant 2 est égal à 2 fois AB plus C exposant 2. On peut omettre de la gauche et de la droite 2 fois A fois B. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A exposant 2 plus B exposant 2 égale C exposant 2. Qu'on représente A exposant 2, B exposant 2 et C exposant 2? Donc voilà A. A c'est le côté, le voilà, c'est le côté AC. Donc, on peut écrire c'est AC exposant 2 plus petit b ici, b exposant 2, petit b représente la distance AB. On va mettre plus AB exposant 2 égale petit c exposant 2. Donc, petit c que représente, petit c représente la distance BC, ça veut dire on va écrire BC exposant 2. Voilà. Donc, ça, c'est le théorème. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, dans un triangle rectangle, donc je répète ici, résumé, dans un triangle rectangle, par exemple ABC, qu'est-ce qu'on nous avons trouvé? Nous avons trouvé que petit C exposant 2 égale petit A exposant 2 plus petit B exposant 2. Petit C exposant 2 égale petit A exposant 2 plus petit B exposant 2. C'est-à-dire que le carré, C exposant 2, c'est le carré. Le carré de BC, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, égale la somme, ça veut dire ici on a une somme, a exposant 2 plus b exposant 2. Donc quelle est la distance petit a et la distance petit b? La distance petit a représente, ou bien la valeur petit a représente la distance ac, la valeur petit b représente la distance ab, c'est-à-dire les côtés adjacents à l'angle droit. Donc comme résumé, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit. L'arabie, quand vous l'oubliez, un مربع الوتر, يعني BC exposant 2, est égal à la somme, يعني مجموع مربعي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصة. الحصة المقبلة إن شاء الله نحاول أنني نصحح بعض التمارين. وغادي ندخلوا للتعريف ديال الجذر المربع لعدد عدد جذري موجب. Donc on va faire une introduction pour, bien sûr, la notion de la racine carrée d'un nombre rationnel positif.